Salut à tous! Vous avez reconnu la musique? Alors, juste un instant, je vais prendre une sauvegarde un petit peu plus en arrière de ma partie que j'avais terminée pour vous montrer, attention, roulement de tambour, le HD Reworked Project version 12. C'est pas le premier mode que j'installe sur The Witcher 3, étant donné que voilà, je suis actuellement ma cinquième partie. J'ai craqué, parce que du coup, ben, avec un mode pareil, forcément, on se sent un petit peu obligé de recommencer. Donc nous voilà à Toussaint. Pour ceux qui n'ont pas vu le DLC Blood and Vine, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil étant donné que ce jeu-là est terminé. Et j'utilise cette save exprès pour juste vous montrer le travail fourni pour ce splendide mode HD Reworked Project. Regardez juste les détails sur les murs qui sont bien plus importants qu'avant. Hop là. On va aller voir la barque. Regardez ça. Elle est lissée! On arrive à lire correctement ce qu'il y a marqué dessus. Et regardez-moi cet effet de la voile, juste impressionnant. Ça rend encore plus naturel, encore plus réaliste. Et on voit bien la texture de la voile. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Hein? Dites-moi! On va faire un petit zoom sur Geralt, je vais juste le mettre dans la lumière. Voilà. Regardez-moi ça. Le détail de la chemise. Le rendu est juste ouf. Tous les matériaux rendent franchement super bien. Je suis impressionnée par le travail qui a été fourni là-dessus. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, histoire que tout le monde puisse profiter au maximum du boulot qui a été fourni. Regardez-moi, rien que le sol. C'est un boulot de dingue, franchement. Il y a énormément de détails. De textures qui ont été remodelées. Regardez. L'écorce des arbres. C'est fou quand même. J'adore. Regardez ça. Corvo Bianco. Regardez devant vous. Oh, excusez-moi, monsieur. Les textures sont retravaillées. Les monstres vous excitent. Moi, c'est franchement dingue. Le pain vous fait pousser des ailes, le vin vous fait pousser des corps. Vous voyez ça? C'est quand même dingue. Franchement. Vermentino ceci, Coronata cela. Ça commence à bien faire. Oh là là. Les décos sur les murs, c'est juste dingue, non? Je les voyais pas aussi bien avant. Non, c'est affolant. C'est juste stupéfiant. Et regardez, les tonneaux. Ils sont plus octogonaux? Ils sont complètement ronds. C'est pas magnifique? Là, pareil. Tout ça, ça a été retravaillé. Qu'est-ce qui est marqué?
Le prophète Lebioda, seigneur de l'univers, le Tout-Tout-Saint, participe à l'édification de ce monument. Ne restez point les bras ballants, n'attendez point à porter votre pierre à l'édifice. Aime ton prochain, mais ne témoigne point ton affection avec trop d'ardeur ou ton prochain pourrait se méprendre. Perle de sagesse du prophète, 65, 3. Sérieux, regardez-moi ça, quoi. Alors, on va aller voir d'autres endroits. Non, l'archipel de Skellige, on va le faire un peu plus tard. On va d'abord aller à Blanchefleur. Faut que je vous montre des palissades de dingue. Et surtout, les rondins de bois, comme ils ont été retravaillés, c'est... Waouh. Juste waouh. Avant, on avait aussi des rondins de bois qui étaient très polygonaux. Bah, regardez, déjà rien que là. Hop. Vous avez vu ça? Ce n'est plus flou. On voit tout. C'est excellent. Les écorces des bouleaux. Qui est d'autant plus réaliste. Quand même fou. Les murets. C'est excellent. C'est juste excellent. Je voulais... oui, je voulais aller chez Tomira. Pour vous montrer un peu... ah ben, je suis complètement à l'opposé. Je fais bien de prendre la carte hein, de temps en temps. ça fait longtemps que j'avais pu relancer The Witcher 3. Avec mes vidéos sur The Witcher 1, forcément. C'est là. Gardez le verre. C'est vraiment du verre. C'est un truc de dingue. La paille aussi a été retravaillée. Les détails, franchement. On a des détails de malade. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est superbe. C'est juste magnifique. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver de la mousse quelque part. Parce que la mousse est beaucoup moins grossière aussi. Et ça rend vraiment mais super bien. Regardez-moi ça. Hein, franchement. Génial! Faut que je vous trouve une palissade avec des rondins de bois, tous les uns accolés aux autres. Pour que vous vous rendiez vraiment compte du détail. Déjà, rien que là, le sol. C'est dingue, hein? Je suis complètement fan de ce mode. Regardez ça. L'herbe. C'est juste dingue. Le travail là-dessus est dingue. Regardez ça. C'est pas fantastique. Moi, franchement, j'adore. Même là. Ce qui est bois vieilli. Ça a été encore un peu plus accentué. Moi, je suis toujours en admiration devant le détail du tissu, du détail du cuir. C'est... Waouh. Ça change, hein. Regardez ça. Vous avez vu? Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Même la texture
sur les animaux différente. Elle est juste superbe, quoi. Voilà. C'est beaucoup moins grossier au final. Là. On a de la mousse ici. Regardez juste le détail de la mousse, quoi. C'est impressionnant. Vais-je trouver ces fameuses palissades rondes avec les rondins tous accolés les uns aux autres? Ou est-ce que je vais devoir aller sur Skellige pour vous montrer ça? C'est vraiment le truc le plus frappant, parce qu'avant, les rondins qu'on avait étaient aussi un peu octogonaux. Et on voyait pas bien les rainures du bois, quoi. Et là, ça change tout. C'est vraiment dingue. L'eau qui était déjà magnifique avant, elle a un rendu mais encore meilleur. C'est juste dingue. Regardez ça. Même là, on voit le détail du tissu. Les tonneaux, c'est le premier truc qui m'a frappé. J'ai fait, oh mon dieu. Les bords sont lissés. C'est dingue. Et encore, quand on voit un personnage de près, avant, on voyait beaucoup les marques, les rides. Mais ce qu'on voyait moins, c'était les pores de la peau. Là, maintenant, on les voit. Attendez. Essayez de... Voilà. Vous voyez? Ça change quand même. Détail du sol, les petits cailloux. Je suis stupéfaite. Il n'y a pas d'autre mot. C'est stupéfiant. Regardez ça. Là. Il a retravaillé énormément de points. Et ça rend tellement bien. C'est net, c'est dingue. Là, je suis actuellement sur la partie où j'avais réussi à atteindre le niveau 100 en une seule partie, c'est pas une NG+. Regardez ça, c'est juste dingue. C'était une partie simple. Et j'ai atteint le niveau 100 en une seule partie en marche de la mort. C'était pas évident. J'ai réussi. C'est fou quand même. Petit lièvre. Est-ce qu'on va avoir passé un assez près? Oh, c'est dommage, il se barre. Mais regardez la mousse, quoi. Elle est pas belle? Franchement, je trouve ça dingue. C'est impressionnant. Et les poils du lièvre. C'est dingue. Allez, je vais vous faire voir Novigrad. Oui, j'ai mis un mode qui permet de se déplacer sans avoir à utiliser les points de... D'abord, on va partir par Vélène. Sans avoir utilisé les points de voyage rapide. C'est plutôt pratique.
Alors, où est-ce que... Voilà, Perchefreux. Je pense que là-bas, on peut aussi avoir des belles surprises. Alors, par contre, je vous préviens que si on se fait attaquer par une bestiole, je risque d'avoir un petit peu de mal à la battre. Parce que là, actuellement, j'ai une attelle au poignet. À cause d'une vilaine foulure. Donc, si je joue comme une daube, comprenez que je pars avec un sacré handicap. Même là. Enfin, c'est dingue, quoi, ce détail du poids, c'est... Tout est retravaillé, c'est top. Voilà, celui-là, il a trop bu. Ici, déjà, on a des rondins. Regardez ça. C'est rond et on voit vraiment différents types de... De cerneaux, en fait, dans le tronc. C'est... C'est ouf. Palissade aussi ont été retravaillées. Faire du bois plus ou moins usé. Regardez ça, quoi. Avant, on avait vraiment des octogones. Là, c'est bien rond. C'est excellent. Les pierres. Et les murs légèrement délabrés. Franchement. J'adore. Je suis complètement fan. Même là, pareil, c'est tout rond. Ah là là, on le voit beaucoup mieux. Vous avez vu ça? C'est fou quand même. Il y a eu un travail de cinglé. Et je suis super contente du résultat. Pour certains, ça sautera pas aux yeux tout de suite, mais... Avoir la comparaison, franchement, c'est dingue. C'est vraiment dingue. On s'en rend vraiment compte... quand on regarde les tonneaux comme ils étaient avant, comme ils sont maintenant, les troncs d'arbres... Il y a énormément de détails comme ça qui changent. Les murets, la mousse... Les vêtements, les textures des vêtements, si c'est du cuir, du tissu. Ah, on a vraiment beaucoup plus de détails qu'avant. Tout a été retexturé en fait. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel plus récent ou quoi que ce soit de ce genre. Parce que la personne qui a fait ce mode... C'est arrangé pour que vous n'ayez absolument pas besoin de modifier votre config pour avoir accès à de meilleurs résultats. Regardez ça. Vous avez vu les poils? C'est plus flou. Et c'est pareil. Attendez, hop. Vous voyez le détail de malade quand même. C'est dingue. Et ces tonneaux, je suis toujours en admiration, quoi. Ça peut paraître bête, hein, mais je suis en admiration. C'est fou. On va faire un petit tour à Novigrad, du coup. Partons ici. Les pavés,
La petite paille sèche. Oh mon dieu. Génial. J'en ai marre de tout ça. La chasse sauvage vous emporte tous. De la pluie. C'est fou quand même, hein. J'adore. Ah, quelle classe. Même moi, je me permettrais pas de faire ça. On en parle de toi qui te dandine les fesses, madame. Ah non, mais... Regardez ça, comme c'est beau. Vous voyez, quand je vous dis qu'on voit vraiment beaucoup plus... les pores de la peau, on voit que les persos sont moins lisses qu'avant. Ça saute aux yeux. Faut vraiment que j'arrive à les avoir assez près sans qu'ils disparaissent du champ de vision. Les jeunes, ils ont rien dans le crâne. C'est... Vous avez vu ça? C'est dingue! Vous cherchez à entrer dans la garde du temps. Toi, tu as quoi tranquille? Chérie, malédiction! Pourquoi tes cheveux sont de feu éternel? Pourquoi moi? Sérieusement, c'est magnifique. J'adore. Même les coffres, ils prennent la lumière différemment. Ils brillent beaucoup moins. Et ça rend vraiment comme du vieux métal un peu usé. C'est affolant. Les tapis, c'est pareil. Les coussins aussi, on a plus de relief. Ah, quelques petits bugs, hein. Les bougeoirs brillent énormément. Mais comme ils sont en argent, ça colle parfaitement. C'est... Regardez ça. On va aller voir la grande suite. Je garde mon sens de sorcière pour que vous puissiez voir au plus près. Hein. On voit bien le détail du tissu. C'est fou. C'est juste fou. Ah, les dessins coquins d'Avalar, ils sont encore là. C'est magnifique. Regardez ça. C'est juste... c'est dingue. C'est pourtant clair comme un feu éternel. La mère de ma femme est une vieille succube. Elle me suce l'envie de vivre. Ça, c'est méchant, dis donc. Regardez ça, Jasquier. Tout flambant. C'est splendide. Il resplendit. Tu as un instant?
pour toi, l'ami. Vous avez vu ça? C'est dingue, quand même. Je veux savoir comment tu es devenu propriétaire de cet établissement. Ah, c'était pas incroyable. J'en ai hérité. Et dans mon souvenir encore... Vous avez vu les pores de la peau? Tu as raison, j'ai peine à le croire. Alonso régnait sur la pègre locale d'une main de fer, alors qu'en fait, c'était un romantique de la plus belle. Ce lieu est l'une des raisons pour lesquelles son fils ne m'aime guère. Vois-tu, Cyprian, le petit bâtard, voulait en faire un bordel, mais le timbre marin m'est revenu. Et je compte bien en faire le sommet d'élégance de cette ville, l'antre des arts et de la culture. À plus tard, Jasquier. Faudrait qu'on essaye de voir. J'ai cru voir son tableau derrière, mais au final il n'est pas là. Comment ça se fait? Ah, mais c'est parce qu'il est là-bas. Ah ouais. Ah là là, c'est fou. On va aller visiter d'autres endroits dans Novigrad. Sérieusement, les détails du sol, quoi. C'est dingue. On voit toutes les petites craquelures. Regardez. C'est pas beau, ça? Ah, j'arrive plus à la voir de l'autre côté. Voilà. Quand même, hein. Il y a du taf, il y a du taf. C'est... Je trouve ça impressionnant. Oh là là, les bateaux. Les bateaux. On va essayer de se rapprocher un peu. Même les grands tonneaux, c'est encore plus impressionnant. Il y a vraiment un super rendu, quoi. C'est net. On a vu ça quand même. Les escargots sortiront après la pluie. On pourra en attraper et faire une course. Je vais essayer de grimper sur un des bateaux. Voilà, le temps que ça se mette correctement. Forcément, hein, c'est un mode. Vous voyez ce que je vois ? Tonnerre de brûlure. C'est incroyable. Oh ! Excusez-moi, monsieur. Sérieusement, c'est pas beau, ça ? Les voiles, les fanions.
L'usure des bateaux qui a été complètement retravaillée. J'adore. C'est dingue. J'ai pas d'autres qualificatifs, mais c'est tellement beau. T'as vu ça? Je vais tout vous faire voir de très près. Il y a un de ces rendus, c'est fou. Alors je dis pas qu'il était moche avant, hein. Bien entendu, il était déjà très beau avant. Mais alors là, c'est encore mieux. Regardez ça, quoi, les petites voiles. Les bateaux en lui-même. Quoi, ils sont tout bizarres, vos yeux ? La voile. C'est parce que j'ai subi une mutation, jeune fille. C'est ouf. Sincèrement, c'est... Regardez juste ça, quoi. Ouais, je confirme. Attendez, je vais essayer de grimper par là. Ah. Ah, d'accord, c'était par là. Ah, mais oui. C'était donc ça. Je vais éviter les spoils. Il y en a encore qui n'ont jamais joué. Non, merci, monsieur. Et regardez qui est là. C'est qui, ça? Audrine. Sérieux, quoi, c'est... Je sais même plus quoi dire, c'est... Qu'est-ce qui est marqué, là? Audrine et compagnie, on a de la bouteille. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils ont de la bouteille. Alors regardez ça, quoi, c'est... Vous, que faites-vous ici? Ah bah tiens, d'accord. Oh, sorceleur, bonjour. Je cherche à m'engager sur un bateau. Vous avez vu les détails de la tunique? De vivre avec Irma? Pas du tout. Ma quête m'a mené à Novigrad. Quel meilleur endroit pour accéder à la culture? Hélas, il faut bien vivre. D'où le bateau. Je vois. Bonne chance à vous. Merci. À vous aussi. Bon, je dois vous laisser. Au revoir, sorceleur. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Un des frères Tuck. Je vous appelle comme ça parce que j'avais fait une vidéo où il y en avait deux qui étaient derrière moi et qui m'observait de très près, qui écoutait ce que je disais à d'autres personnes. Et regardez, vous mettez les pieds. Non, tout va bien. Personne ne m'attaque. Gardez ça, quoi. Ceux qui aiment les expériences immersives et réalistes, je vous le conseille franchement. Ce mode est incroyable. Il est vraiment incroyable. Quand même, c'est fou.
les égouts. Ah mince, c'est verrouillé maintenant. Forcément, on n'a plus rien à faire ici. Ah ah. Oh mince. Ça, c'est ballot. Attendez. Ah oui, ouais, d'accord. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste repasser par chez notre ami pour aller déposer des affaires dans mon coffre. On ira voir Atori juste derrière. Histoire de voir ce que ça donne son atelier. Ensuite on ira vers... Le devoir m'appelle. Ne me dites pas que c'est la Redania qui a gagné quand même. Ça m'étonne parce que j'ai quand même tué Radovid, donc... Ah mon dieu. J'en ai marre. Souris, j'ai fait un spoiler. C'était pas mon intention. Alors sache monsieur qu'un spectre de midi n'a plus de nichon. Hein. Ils se sont décollés depuis fort longtemps. Ah, en plein jour, c'est encore mieux. Vous avez vu ça? C'est dingue. Comment dire, un barde doit avoir la langue agile et un sorceleur une lame agile. Tout est en ordre. Alors, je vais me débarrasser de quelques petites affaires. Par exemple, ça. Youhou! En même temps, j'ai tellement de choses dans le coffre. Ça m'étonne même pas que ça bug. Ça va prendre un petit moment, hein, je suis désolée. Oui, je suis une grande collectionneuse. Je garde toutes les armures que je trouve juste magnifiques. Je les ai pas toutes, hein. Je vous rassure, mais j'en ai une bonne partie. Celle-là, du coup, on va pouvoir la revendre. Ça, hop, ça va là-dedans. Si on va pouvoir le vendre. J'ai absolument tous les trophées. J'en suis très fière. Trophée d'Umbra. J'ai plein de trucs inutiles. Juste en garder certains comme ça. Le bouclier d'apparat, je l'aime bien, il est joli. J'avais pas vidé mon coffre depuis un moment.
ça, je vais le vendre. En avoir pour un petit moment. Oriana de Beauclair, si tu nous regardes. Je te présente mes plus sincères amitiés. Ça va être un petit peu long, mais ça va aller. Ça, c'est le défaut. C'est quand on a plein de choses. Les pièces anciennes, je les ai trouvées aussi dans le DLC Blood and Wine. J'ai voulu tester une autre voie. Hey. Ne me demandez pas pourquoi je le garde, je n'en sais rien. C'est juste que je les aime bien. Bon, faut quand même pas abuser, hein. Je vais juste encore prendre les gousses d'ail et le couteau. Le reste, ce sera vendu. De l'ail anti-vampire. Tout le monde sait que l'ail ne repousse absolument pas les vampires, mais bon. Soit. Alors là, la chimie, ça prend aussi un peu de temps parce que je suis blindée. Ah, vous avez pas rêvé, hein. Oui, 74, 73. Je suis une meurtrière. Ok. Au moins, on sera plus léger pour aller visiter le reste. Alors. Juste là, quoi, c'est... lessive, oui. C'est dingue. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Regardez ça. C'est juste... impressionnant. Regardez ça.
Je suis super admirative. Alors, je voulais aller vers la grande place. Par contre, je ne sais plus par où passer. Ah d'accord, on peut passer par là. Donc on continue tout droit. Moi ? C'est pas juste magnifique ? Les filets... En quoi puis-je vous aider ? J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Cette profusion de détails, c'est incroyable. Ce sont des épées de première qualité. Montrez-moi ce que vous avez. Parfois, ça a du bon d'avoir quelques petits bugs quand on veut montrer des choses de très près. Adieu. C'est quand même... C'est juste fou. Le client avait fait... Regardez comme ça prend la lumière, quoi, c'est dingue. Vous revoici. Voyons un peu vos ouvrages. J'en ai plein devant, mon gars. Ah non, ça j'ai oublié de le mettre dans le coffre. Bon, la fausse dent, seul tire-bouchon, hop, hop. Voilà. J'ai requis pour accomplir une quête. Des bouchons de bouteille, un tire-bouchon et une fausse dent. Je vois pas en quoi. J'aurais quand même pas raté une quête. Dans le doute. Si des fois j'en trouve l'utilité. Au plaisir. J'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Oh là là. C'est celui qu'on lui vend, ça. C'est juste magnifique. Ah, vous voyez ? Il y a quand même quelques petits bugs par moment. Comme c'est un mode qui modifie les textures, forcément. Mais c'est pas gênant quand on joue et qu'on fait pas de l'exploration aussi approfondie comme moi. Mais c'est fou, quoi. Vous avez vu ça ? Approchez, ne soyez pas timide. Vous trouverez tous ce dont vous rêvez. C'est hallucinant.
Alors, passons à... Oxenfurt, peut-être. Oh, la brasserie d'Hydromel, ça doit être super joli aussi. Oh là là. Waouh. Je sais pas quoi dire d'autre à part waouh. Vous avez vu comment ça se reflète dans l'eau? C'est superbe. Ouais. Oh là là, ouais. Vous êtes quelqu'un de bien, Gérald. Merci, ça me touche au plus profond du cœur. Vous avez vu la neige un peu? Sérieusement, vous avez vu ça? C'est fou. Ah. On a dégommé du noyau. Il y a d'autres amateurs là. Allez, viens là. Voilà, ça c'est fait. Ah, on n'emmerde pas mes potes l'elflin. Non mais sérieusement, vous avez vu cette neige? C'est vraiment... C'est fou quoi. Le détail qu'il y a, c'est... Waouh. J'en perds vraiment mes mots, hein. C'est juste dingue. C'est magnifique. Et ça devait être mais un taf de malade. Que la peste emporte ces fils de pute. Ils m'en ont encore volé une. Que s'est-il passé? Comme si on n'avait pas assez souffert. Voilà que mes poules disparaissent. Comment que je vais vivre, hein? Vous avez vu les voleurs? Quels voleurs? C'est des monstres qui me chiquent mes poules. Un voleur, je m'en chargerai moi-même. Mais que voulez-vous que je fasse contre des bêtes? J'étais persuadée de l'avoir fait, cette quête. Je peux vous aider. Pas gratuitement, mais... Vous n'êtes plus toute jeune, alors je ne vous demanderai pas grand-chose. Boniment. Pas grand chose qu'il dit. Il va finir par me demander un bras. Vous avez vu ça, les détails des coutures, quoi? C'est fou. Mes poules ont commencé à disparaître la semaine dernière. Une par une, figurez-vous ça. Une par une. Intéressant. Et les monstres ont laissé des traces? Oui, j'ai trouvé des empreintes de loups. Mais des drôles d'empreintes, hein. Comme si que les loups marchaient sur leurs pattes arrière. Et n'allez pas me dire que j'ai la berlue comme ce crétin de Yossip tout du terrier. Mon homme était le meilleur braconnier de la région. Je m'y connais en empreinte de bête. Je vois. Mais j'aimerais tout de même examiner ces empreintes. Alors, je vous laisse juste un instant, je vais chercher quelque chose, je reviens de suite. Vous savez quoi, on va en profiter pour faire cette toute petite quête avant de partir vers Skellige.
pour continuer de voir ce travail affolant. Oh là là, regardez-moi ça. Les détails du poids et tout, c'est... Pas toutes, ce sont bien des empreintes de l'eau, mais quelque chose cloche. Donc du coup, avec ce HD Rework Project, ce que j'ai remarqué, c'est que ces murets-là sont un peu plus foncés qu'avant. C'est pas extrêmement gênant non plus, hein, mais... Attendez... J'ai raté un truc ? Des traces de pas, de petits pieds, juste à côté des empreintes de loup, et aucun signe de lutte. Des traces de petits pas, intéressant. Bah dis donc. Je ne vous veux pas de mal. Qu'est-ce que vous faites là, alors ? Le capitaine à la moustache noire qui vous envoie ? Je ne connais pas de capitaine. J'ai juste suivi les traces des monstres voleurs de poules. Pas la peine de faire des histoires pour quelques poules maigrichonnes. La vieille dame les aime pas, de toute façon. Elle est toujours à leur crier dessus. Et puis on dirait une sorcière. Oh là là ! Qu'est-ce que vous faites dans les bois ? Où sont vos parents ? Les soldats les ont attrapés. On traversait la rivière quand ils nous ont vus. On s'est mis à courir, mais papa et maman avaient des sacs. Ils nous ont dit de fuir. Regardez le détail des pommes au sol. Ouais, on trouve des tas de trucs, on vole le reste. Remontrez ça. On se débrouille bien. D'où viennent les empreintes de loups ? Papa chassait les loups autrefois. Vous avez vu ça ? Les pommes. Ça donnait une patte de loup à chacun comme un porte-bonheur. Elles sont folles, hein. C'est fantastique. Ils volent les poules, vous voyez ? Oui, c'est vrai. Mais rarement une par une. Vous survivez, certes. Mais en volant. Un jour, ça finira mal. Vous devriez demander de l'aide. Et qui voudrait nous aider ? Une fois qu'on aura toutes les poules, on s'enfoncera dans les bois. Peter dit qu'on pourra chasser, qu'on portera des pots de bêtes et qu'on fabriquera une hutte. Et on grandira jamais. Ah ! Oui, c'est... La petite référence à Peter Pan, c'est mignon. Bonne chance. Faites attention à vous. Vous aimez les criquets ? Vous les mâchez ou vous les avalez tous ? C'est vraiment... Je suis impressionnée. Du détail qui a été rajouté, c'est... C'est dingue. Regardez le sol, quoi. On voit le moindre petit caillou. C'est vraiment génial. J'adore. Et le détail des boulots, quoi. Regardez-moi ça. C'est... L'usure du bois, la peinture qui commence à s'effriter... La moisissure. Qu'est-ce que vous voulez, sorceleur ? J'ai rencontré des enfants qui vivent dans les bois. Ce sont eux, vos voleurs de poules. Quoi ? Des enfants ? Et ils chevauchaient des loups, peut-être ? Non, les loups n'ont rien à voir là-dedans. Ces gamins sont juste... malins. S'ils sont aussi malins, il ferait mieux de plus s'approcher de mon poulailler. Offrez-leur un toit, un foyer, ils arrêteront de vous voler. Ah oui. Et à part des bouches à nourrir, qu'est-ce que j'y gagnerai ? Cela dit, je vais peut-être y réfléchir. Oh ! Pas attention, je marchais.
Je sais pas si on peut reparler aux enfants, du coup, je pense pas, vu que la quête est terminée. Je vais tester, mais je suis sûre de rien. Et là, j'ai pu les retrouver, c'est ça? Ils étaient pas si loin quand même. Bon. Bah, ils sont déjà plus là. Aïe, aïe, aïe. Oh, je suis retournée près des Alphes, hein. Bon, c'est pas grave. On va aller voir, du coup, Skellige. On était déjà à Vélène, Novigrad, Blanchefleur. On était à Toussaint. Je monte pas trop de Toussaint parce que s'il y en a qui n'ont jamais fait les DLC, je voudrais pas gâcher certaines belles surprises. Alors, et on va aller là. Regardez ça. J'ai envie de faire le grand plongeon. Je suis désolée, je peux pas y résister. Youp là. J'adore faire ça. Regardez ça quoi, c'est juste dingue. La texture... Des pierres aussi a été complètement retravaillée. Mais vraiment, non, les voiles, ça m'impressionne. Regardez ça, quoi, c'est... C'est splendide. Je vais essayer de voir ta fourrure de plus près, madame. Je peux ? Regardez ça. C'est vraiment génial. J'ai bouclé ma hutte ou pas? C'est... Ouais, on s'en rend compte. Regardez ça. C'est encore plus beau. Vous voyez, je pense que l'ours a pas été complètement retravaillé. Ou peut-être que très légèrement. Mais autrement, le reste, c'est... Regardez-moi ça, quoi. C'est super. Et moi, ça m'impressionne. Là, on voit bien le cuir, le tissu juste en dessous. Oh, c'est... Passez donc du temps sur les îles. Fortifiez. C'est dingue. Nous vous ennuyons en perspective. Tu n'utilises jamais de hache.
Ah non, c'était de l'autre côté que je voulais aller. Un géant, c'est très bien. Mais qui va s'occuper des escadrons noirs qui sont à Unvik? Franchement, c'est... c'est dingue. Y a pas de mauvais drakkar ni de mauvais temps. Y a que des marins de mer. C'est dingue. Ah, j'arrive pas à la voir. Et puis il se barre. Bon, tant pis. Enfin, c'est affolant, quoi. Honnêtement, je vous le conseille. Pour avoir un super rendu, sans avoir besoin de changer son matos, putain, ce mode-là fait un boulot de dingue, quoi. Le jeu est déjà magnifique de base, mais alors là, il est sublime. Un jour, je vais sûrement le lancer sur mon téléviseur. Comme c'est un téléviseur 4K, je vais mettre la résolution qui va avec, parce qu'on peut mettre le jeu en résolution 4K. On l'avait déjà fait, mais là, avec le mode, je pense que ça peut être aussi un peu plus impressionnant. Parce que rien que la 4K sur ce jeu-là, c'est... ça fait une différence. Alors, et qu'en plus, ce mode-là, ça promet d'être beau. D'être vraiment, vraiment très beau. Je vais essayer d'aller sur une autre île... un petit peu plus enneigé pour qu'on voie un petit peu plus les effets de neige qui sont juste fous. Honnêtement, je les adore. Là, on peut aller là. Je me souviens qu'ici il y avait pas mal de neige. Franchement, c'est fort. À la lumière, c'est encore plus frappant. Les détails qui a été rajouté. Et comme je vous disais, du coup, les murets sont un petit peu plus foncés. Je peux pas passer par là. Hein. Ah si. Regardez ça. C'est incroyable. J'adore. Il n'y a rien d'autre à dire, j'adore. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai fait absolument tous les points d'interrogation. Ça m'a pris un temps de fou, mais je l'ai fait.
Hrodingvar. Aha. Un site d'énergie devrait y puiser. Là aussi, ça a été retravaillé. C'est magnifique. Regardez ça, quoi. C'est pas juste dingue. Youhou! C'est superbe. Dingue. Attendez, on va aller à Guédinette. C'est légèrement plus haut. Voilà. Voyons ça. Protège toutes les formes de vie dans ton étreinte. Je trouve ça génial. Le boulot qui a été fait, c'est incroyable. On y est, hein, c'est... Ça transporte. Ah mince, c'est vrai. J'ai une mutation spécifique. Superbe. Oh, vraiment, et la mousse, c'est fou. On peut parler. On t'a nommé Hiérophante. Félicitations. Merci à toi. Le cercle de Skellige m'a choisi il y a des années. Pile au moment où les vieilles querelles entre clans se ravivaient. La tâche est donc surtout politique. Oui, mais ça m'est égal. Depuis la nuit des temps, les druides vont de clan en clan pour étouffer les rancœurs. Nous prenons soin de l'équilibre en tout chose, pas uniquement de la population détruite de ruisseaux. Par chance, les Jarls nous ont toujours appréciés comme conseillers. Au revoir.
C'est vraiment superbe. J'espère vraiment qu'avec tout ça, je vous aurais donné envie de télécharger ce mode. Il est disponible sur Nexus Mode depuis quelques jours maintenant. Je l'ai vu très récemment. Il y a peut-être 2 jours de ça, on était le 30 septembre. J'ai vu qu'il était enfin disponible, je me suis dit « j'hésite plus, je fonce et je le prends ». Je ne suis absolument pas déçu. Et y a rien qui nous dit que c'est la version définitive non plus, hein. Il peut encore y avoir des améliorations. Sachez que du coup, avec la version 12, vous n'avez pas besoin de télécharger les 4 premières versions ou les 4 premiers documents qui sont disponibles. Vous avez donc la version 12 qui prend absolument tout en compte. Vous avez juste un fichier à télécharger, c'est... Je sais plus exactement. Je crois que c'est 9 gigas. C'est franchement pas énorme. Mais pour le résultat, c'est... Ça vaut le coup. Voilà. Vous n'avez pas besoin de changer votre matos. Votre matos peut avoir 5, 6 ans. Aucun problème. Ça tournera nickel. Ah! Mais grimpe donc! Allez! Allez! Je pense que si on se met là, pour profiter un peu de la vue, c'est le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, Nexus Mode, vous cherchez HD Reworked Project version 12. De toute façon, la version est notée sur le haut de l'affiche. Un seul dossier à télécharger, qui prend pas beaucoup de place, vous n'avez pas besoin de changer votre matériel, le résultat est là. Et profitez à fond. Et moi je vous dis bonne chance à tous sur la voie. Et donnez-moi vos retours, dites-moi si ça vous a plu. Et passez une très bonne soirée, une très bonne journée selon quand vous regardez cette vidéo.